Good morning. Alors ça c'est mon bureau de mon ordinateur. Ce qu'il y a c'est que je dois tout mettre sur une clé USB. J'ai reçu ma clé USB. Faut que je regarde si je l'ai reçue. Et le disque externe qu'il faudra que je commande. Je l'ai commandé, je m'en souviens plus. Oui, parce que moi je fais plusieurs copies pour chez moi et j'en donne à un ami qui lui garde tout le restant chez lui. Voilà, c'est-à-dire que si ça disparaît chez moi, lui il a tous mes doubles. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'en ai beaucoup, beaucoup à faire. Alors, ici, si vous entendez un petit peu grogner, c'est normal parce qu'elles jouent ensemble. Voilà, Choupi et Bella, elles jouent ensemble. Voilà. Alors ça c'est moi à l'Institut Vajrayogini à Marzens. Je ne sais plus en quelle année c'était. Donc là vous avez. Là c'était moi avec ma petite peluche que j'avais amenée, ma petite peluche. Bon, un peu plus tard je l'ai donnée à un enfant. Je l'ai offert à un enfant. Je me suis dit bon, ça y est, t'as fini à ton âge d'être avec des peluches. Allez, tu l'offres à un enfant. Voilà, mais non, il me reste encore des peluches chez moi. Voilà, je m'étais fait suivre ma petite peluche avec moi. J'avais pris des photos dans le bus, tout ça, voilà. Donc ça se trouve à Marzens, l'Institut Vajra Yogini. On mange végétarien chez eux, donc c'est des bouddhistes, hein. Comme je vous ai dit, je ne suis pas entièrement bouddhiste, mais j'ai la philosophie de la vie bouddhiste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est moi en juillet 2023, parce que je le sais parce que c'est marqué. En terrasse de café avec une copine. En pleine chaleur, moi je me suis prise un chocolat chaud. Voilà, en 2023. Attends, je vérifie, oui, parce que là je l'ai marqué. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ganesh. Ganesh, ça c'est en Inde. En Inde. L'hindouisme. Ou l'hindouiste. Je ne sais plus l'hindouisme, on dit. Moi, je dis toujours l'Inde. Ganesh, elle est jolie, cette image. Je l'aime beaucoup, elle est jolie. Après, qu'est-ce que j'ai? Une belle image aussi. Oui, kimono. Viens, mon bébé d'amour. Viens, mon bébé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà. La fille avec la dame avec l'harpe. Qu'est-ce que tu as, Choupi? Tu joues avec. La feuille de pan. J'appelle ça ce fleur de pan. Bateau. J'aime les belles images. Kimono, mon chat, avec Cymbeline,
Ma lapine qui a vécu 8 ans en liberté chez moi. Cymbeline, elle a vécu 8 ans en liberté, vous voyez. Son copain, c'était Kimono. De toute façon, elle jouait avec mes deux chats. Hein. Voilà. Huit ans en liberté. Alors ça, c'est quoi? À l'Institut Vajra, voilà ma peluche dans mon sac. Alors, ils vendent plein de choses aussi. Ils ont une boutique avec plein de choses. Et bien sûr, qui c'est qui vient s'allonger juste à côté de mon sac? Qui vient s'allonger à côté de mon sac? Un chat. Le chat de l'Institut Vajra. Monsieur, ou madame, mais je n'ai pas regardé. Monsieur s'est couché là sur mon sac. Et bien après, je ne pouvais plus prendre mon sac. J'étais foutue. Voilà, et là j'ai pris la photo pour montrer que voilà, où que j'aille, il faut toujours qu'il y ait des animaux quelque part qui viennent. Et donc voilà, j'avais ma petite peluche. L'Indien. Nous autres les Indiens avons toujours aimé et respecté la nature. Que des hommes tentent de la modifier nous préoccupe énormément. Sachez qu'il est toujours plus difficile de rétablir l'équilibre naturel que de produire un déséquilibre. L'homme n'est pas né sur la terre pour corriger la nature, mais pour en être le fidèle gardien. Vous comprenez pourquoi j'aime les Indiens? Vous comprenez? Voilà. Nous, les Blancs, nous respectons pas grand-chose. Moi, je suis blanche, je sais, bah, je m'inclus dedans. Mis à part que moi, non, j'ai plutôt une autre philosophie de la vie. Donc, je ne me comporte pas comme la plupart des Blancs et voilà, et des Noirs et des Jaunes et des Bleus, Blancs, Rouges, si on veut, des Verts, des petits Gris, peut-être, je ne sais pas. Non, moi, j'ai... Comme je vous ai dit, j'ai la philosophie de la vie bouddhiste et mon cœur et mon âme, c'est les Indiens, quoi. Voilà, c'est... Ils ont toujours, à l'époque, à leur époque à eux, hein, je parle, ils ont toujours respecté la terre. Alors ça, c'est un loup. Ça, c'est la gueule ici. Vous voyez la gueule, l'œil. J'ai marqué loup énergétique. Ça, c'était quand j'habitais en HLM. Vous voyez la guêpe qui vient boire de l'eau. Là, là. Moi, je leur mettais tous les ans, je leur mettais le plat avec de l'eau, je leur mettais une pierre et un peu plus loin, on ne le voit pas, mais plus loin, il y avait des brindilles. S'il y avait un insecte qui tombait dans l'eau, il pouvait s'accrocher à la brindille. Et tous les étés, je venais leur remettre de l'eau, tout le temps, parce que l'eau, à force, elle chauffait. Elle chauffait. Et eux, ils ne voulaient pas, ils avaient peur d'un parapluie ou d'un parasol. Ils ne voulaient pas. Elles ne voulaient pas venir boire l'eau quand ils avaient peur d'un parasol, tout ça. Donc, je les laissais à l'air libre et tous les ans, les guêpes venaient boire de l'eau. Je leur remettais de l'eau à chaque fois et elles m'entouraient. Hein. Des fois, j'avais 8 guêpes. Une fois, j'ai compté, j'avais 8 guêpes autour de moi. Et elles ne m'ont jamais piqué, pas une seule fois, en 3 ans passés. Tous les ans, tous les étés, elles revenaient au même endroit. Elles savaient qu'il y avait de l'eau ici. Leur nid, ben non, je ne sais pas où était leur nid, puisque nous, on n'avait pas de nid de guêpes dans nos immeubles. Donc, je ne savais pas où elles allaient faire leur nid. Elles prenaient de l'eau et puis elles prenaient aussi des petits morceaux de bois. Elles grignotaient des morceaux de bois et voilà. Donc, vous voyez, même les guêpes
Même les guêpes, je ne les tue pas. J'habite chez mon chat. Non, pas ça. En hiver, voilà, le petit écureuil, le rouge-gorge. Et après, j'ai pas mal de choses, hein. J'ai des choses à faire, voilà. Après, j'ai d'autres images que je montre pas, mais c'est pour des dossiers. Bien entendu, hein, vous me connaissez, vous savez que j'ai des dossiers en cours. Ça prendra le temps, ne vous inquiétez pas. Je n'y peux rien, j'adore les chats. Le chat qui en a marre, encore des câlins, encore des câlins. Donc il va falloir, oui, que je m'occupe de mon bureau là, parce que... Ah oui, j'en ai un autre aussi. Gaufroy de Montmirail, il vous fait penser à qui? Moumoute premier. Pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là, hein. Oui, vous savez que moi j'ai beaucoup d'humour. Alors, kimono, voilà. Et puis là aussi, j'ai plein d'images. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai plein, plein d'images. Les images, les vidéos, tout ça. Alors, au salon en 2018, j'ai été au salon, voilà, au salon de la Belge, je crois. Alors, toujours en train de manger, voilà. Là, j'avais pris un petit rouleau de printemps aux légumes. Là, un petit café ou un chocolat, un petit café avec des gâteaux. Ça, c'était indien. Un plat indien. Là, les gens qui faisaient la queue pour la file d'attente pour prendre des billets. Voilà, donc ma copine m'a pris en photo. Donc, quand vous me cherchez, vous cherchez où il y a mangé, vous allez me trouver. Là, c'est pas difficile, hein. Alors, les chiens. Ici, je peux te guider. Je peux protéger ta maison. Je peux débusquer les voleurs. Et le chihuahua, je fais juste du bruit sans raison. Voilà, en vérité, il ne sert pas à grand-chose. Il fait juste du bruit sans raison, quoi, le gars. Voilà. Ah oui, ça là j'avais adoré aussi. Là les souris. Les souris ou les rats. Hein. Les souris. Tu vas te faire vacciner? T'es folle? Ils n'ont même pas terminé les essais sur l'homme. Vous savez, ça c'était au moment où ils n'avaient même pas fait les essais sur l'homme. Tu vas te faire vacciner? T'es folle? Ils n'ont même pas terminé les essais sur l'homme. Ah mais j'ai adoré. Hein. Oui, parce que les humains ne savent pas qu'ils ont été des cobayes. Hein. Ils sont pas au courant. Hein. Ils sont pas au courant, les pauvres. Alors, voilà. L'Égypte.
Voilà, j'ai pas mal de trucs. Il y a un petit café Noël. Voilà. Alors vous pouvez prendre les images, hein, faire une photo, hein. Vous pouvez bien sûr vous servir des images que je vous montre. Il n'y a aucun problème, non, non, il n'y a pas de droit, je ne vous attaque pas pour quoi que ce soit. Au contraire, prenez, prenez. Que fait une lampe quand elle se fait agresser? Elle crie à l'aide. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Facebook, Facebook. Et qui se coltine le boulot? Hein? Qui c'est qui se coltine le boulot pendant que je suis sur Facebook, moi? Hein? Elle est drôle, celle-là. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.